Salut, bienvenue pour cette petite partie 4v4 qui va être la dernière, la partie qui va finir le tour numéro 1 entre les DGM et la Wallonie, pardon. Cette partie donc va opposer Gros Matou, Brocard, Hachi, Pepos de la team Wallonie contre Gaxul, Scream, Archie et Panda de la team DGM. On est sur la dernière partie, le 4v4, et cette fois-ci c'est l'équipe de Wallonie qui héberge, donc qui a choisi la carte White Ball Express et qui choisit ses factions et commandants en premier avant d'inviter les DGM dans la game partie. C'est en position aléatoire, 500 points de victoire comme d'habitude après. Alors, je le charge le ralenti et je te dis dès que je suis à 5 secondes. Peut-être 15, mais je suis arrêté à 15. Pas de soucis, je te dis quand je suis à 15. Ok. Et je disais, je me suis trompé, je disais que les DGM étaient obligés de gagner, mais en fait, les deux, hein, sont obligés de gagner. Oui, de toute façon, oui, Parce c'est la que partie déterminante pour la victoire. si les DGM mettent 4 points, eh ben, ils auront gagné 6-5 et c'est eux qui vont continuer le tournoi. Donc si jamais ils gagnent le 4-4 là, bah, ils vont passer de justesse les DGM. Alors que si Wallonie gagne le 3v3 et le 4v4, bon bah ils passent largement. Yes. Du coup, on a quoi? Ils ont choisi leur faction, du coup, ils ont préféré avoir l'axe. Hop. Alors, je mets pause, je mets la taille de la chute des beaucoup plus grand. Et je lance, je te fais le décompte. Hop. Dès que j'arrive au tour de 15, voilà, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Je pense qu'on devrait être bon. Vas-y, continue. Je suis à 22, 23, 24, 25, 26, 27. 22, 3, 4. 24, ouais, parfait. Mon Véhicule de synchro. reconnaissance Prime. Nickel. Alors, on a quoi? On a Gros Matou. Objectif qu'avance Du coup, notre l'équipe avec justice. Gros Matou de Wallonie qui ont choisi leur Derrière faction, nous. où ils ont pris l'axe. Avec le Brocard qui est tout en haut à gauche, qui a choisi OKW, suivi de Gros Matou, OKW aussi. Après, on a Pepos et Hachi en Nous Wehrmacht. avons une nouvelle unité de grenadiers. Donc ça fait deux fois d'affilée que ceux qui choisissent Axe. Exactement. Nous avons libéré l'objectif. Je te laisse faire la présentation des alliés. Alors les alliés, Gaxul qui joue russe, Archie qui joue américain, Panda qui joue russe, et Scream qui joue On anglais. se prend des tirs! Et où vont-ils tous? Le premier lieu obligé sur cette carte, ils vont tous faire leur prière à l'église, au Ah, mais centre. pas tant que ça, pas tant que ça. Ouais, regarde en bas, c'est peut-être en bas qu'il y a le plus de monde là. Double MG en bas. Gagju les On bloqué en bas. dispose d'un nouveau véhicule de recon. Donc on a fait quoi? MG. Ah oui, la Pepo sur le départ 2 MG. Ouais, double MG, ouais. Ouais, en début de partie, hein, Hachi. les MG c'est ce qu'il y a de plus puissant. Hachi qui fait un Ou Archie qui sniper. pourrait perdre son. Ouais, Archie il est chaud là, il a failli perdre une unité dès le début. Donc forcément, du Okay. coup, en bas, ça passe pour les Allemands. Okay. Gros Matou qui perd, hein, je tourne. Les Allemands sont très bien en bas et les Alliés sont très bien en haut. Chacun de son côté. Je sais pas si t'as vu le contournement. Ouais, Ils vont se contournement, passer au ça allait sur le milieu. centre. Bon là ils se replient tout de suite, donc là il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de suppression d'unité. Ah, ils sont super bien là-haut, Scream et Panda. Tire de mitrailleuse lourde! Ils ont raté cette fois! Une MG42! Il y a des doutes qui a fait départ, enfin, qui a fait deux maximes. Donc là niveau mobilité il n'aura pas. Ça sera pas aussi Non. efficace mais ça peut permettre au moins de défendre les positions s'il a un bon appui.
Et là ça va être compliqué parce que là Hachi est encore dans la base. Donc, je pense qu'il a dû se replier juste avant. Du coup là il laisse Gaxul tout seul. Gaxul, je sais même pas pourquoi il essaye en bas parce que il est loin de passer. Ouais. Vite qu'ils reviennent au centre. Là ils sont quand même désorganisés du coup. Par contre ils ont bien pris le côté gauche. Du coup on a quoi côté panda. Il va faire aussi un sniper d'ailleurs, donc on aura peut-être un duel de sniper. Deux bataillons disciplinaires sniper. Pour l'accompagner, Scream qui a fait quoi. Qui est du coup britannique. Des fusillés. Une nouvelle section d'ingénieurs attend des ordres. Un Universal Carrier. Contre Hachi qui a fait les forces ennemies sécurisent notre territoire. De grenadier. Il y a 3 MG sur la droite, du coup ça permet de bien verrouiller le territoire. Ça c'est sûr. Les MG allemands quand même sont efficaces. Ça couche assez rapidement. Suppression très efficace. Hachi, il faut qu'il fasse attention avec son sniper qui est à moitié mort. Ah, surtout comme tu dis, il est pas en pleine forme sur son sniper. Ah ouais, là, bah disons que. Il a pas encore. Faudrait pas que Universal Carrier se lance à l'attaque. Il y a Skim qui fait une position de mortier. Défendre l'étoile du centre. Non, c'est bien joué parce que ça tire. Attends, je vais dire ce que ça tire. Ça tire, ouais, au-delà de l'étoile. Hein. Au-delà de l'étoile et sur leur essence. Sur leur essence. Ouais, donc, Ah, puis quand tu le mets au centre, hein, t'as de bonnes chances que ça soit mortier. Ouais. Ça permet de bien verrouiller. Hein. On a reçu les ordres. Vous pouvez désormais construire des autoblindés. Panda et Scream sont en train de perdre l'avantage. Pour l'instant, effectivement, c'est assez serré. C'est chacun son côté. Ils se partagent un peu l'étoile du milieu. Et puis, les alliés qui ont la gauche et les Nax qui ont la droite. Ouais, t'as vu, Mitty en bas, Gaxul, il met double MG côte à côte. Ouais. C'est du pépos. Voilà, la puissance du nombre. Hein. La puissance du nombre russe. Ah bah forcément. En tout cas, ça fonctionne, donc va tant mieux. Ah, je l'avais jamais vu faire ça, Gaxul. Double puissance de feu, la KMG là. C'est vrai que t'as tellement du mal avec la MG russe des fois à suppresser que deux double MG, ah, voilà, ça peut être bien, mais si t'arrives à donner de la vue, c'est nickel. Hein. L'ennemi s'empare de notre territoire. Bon, faut pas qu'il se fasse contourner par contre, mais en tout cas ça a fonctionné pour pouvoir éloigner la MG. Par contre s'il se fait prendre, faut faire attention à la grenade, ouais là, ça va être compliqué. Ça fait prendre des grenades quand t'es pas de la côté de la couverture. Et puis, Gaxul arrive quand même, il va partir. Par contre je sais pas si t'as vu, hein, le grenadier il était un tout petit peu statique, il s'est pris deux obus de mortier du Brit là. Il interdit de partir. Donc ouais, faut pas trop rester statique avec ça. Là, là, faut pas insister là, repli, voilà. Rokar il a compris, il dit c'est bon, je rentre chez moi. Goumatou là où il a caché. C'est Fashimi Hager derrière une petite baraque. Je sais pas ce qu'il attend. Alors attends, j'ai le stream, enfin le jeu qui a bugué. Voilà, il voulait les surprendre. J'ai le jeu qui est en PLS. Aïe. Notre centre défend. Est-ce que c'est bon, c'est revenu. Il y a combien? Attends, je vais te dire ça. T'as combien toi? Parce que je suis en arrière, je pense. 7. 7-28. 7-28, tu vas à 30, tu m'attends à 30 s'il te plaît. 7-31, je suis. Vas-y, parfait. Je te fais le décompte dès que je suis à côté. Okay. J'appuie sur un raccourci sans faire exprès, ça a changé l'interface du jeu, ça fait tout bugger. Mais c'est revu. Parce que moi je suis encore à 16. Nous avons perdu une unité de mitrailleuse lourde. Qu'est-ce qu'il me fait? Le jeu qui est bloqué. Je vais y arriver. Non, je veux pas. Attends, je me pose. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'impression qu'il y a comme si qu'il y avait. Comme si qu'il y avait une touche qui était enfoncée. Non, il a décidé de complètement bugger.
redémarrer ça. C'est... Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ces bugs ? Alors là, je sais pas du tout ce qui se passe. Ils viennent de derrière ! On a un nouveau... Ça n'a rien à voir avec quelle table, petite sœur. Alors, qu'est-ce qui me fait ce jeu? C'est revenu. C'est revenu. C'est pas la alt-tab qui a fait déconner, c'est le changement d'interface du jeu qui a fait que ça a complètement déconné. C'est revenu. Alors, je suis. Tu m'avais. Tu t'étais arrêté à combien déjà, tu m'avais dit 7.30, je reviens dessus. 7.31. 7.31, bah parfait, je suis à 31 aussi. Alors, je vais faire 3, 2, 1, 0. Et après, on va faire start. Alors, 3, 2, 1, 0. Donc, 31, 32, 33, 34. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. C'est bon. Parfait. Désolé pour ce contretemps. On est revenu dans la partie. Ah merde, Brocard, il a perdu son Rakétan au milieu. Il a voulu attaquer la position de mortier de Scream. Ouais. C'est souvent le mortier. Ça c'est énervant. Ah là là, et sur le bac. Prend un risque. Il est pas bien. Aïe 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 aïe, il a perdu deux unités là. Ça a bien foiré son attaque là. Ouais. C'est dommage parce que dans l'idée, dès qu'on repère une position de mortier anglais, c'est bien de la casser le plus vite possible, hein. Pas attendre qu'elle soit 3 étoiles. Ouais, surtout que là le Rakéton s'est empressé de le prendre, il a raison. Ah bah oui. Il y a Gugu qui arrive avec le T-70. Ils vont être nuls là. Et le 2-2-2 de Allemand qui est perdu, Scream a fait un bon boulot avec la EC. Bien joué. Le petit fumigène pour éviter le point de surface directement. Il lui a mis, mais bon, là il y a le sniper d'Achik dans la bonne zone. Et il a le choix, soit d'achever la 2-2-2, soit de poursuivre le sniper. Il choisit le sniper. Je pense, peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait une mine sur le pont. Peut-être qu'il préfère peut-être ouais. Une autre chose. Je pense qu'il a pas eu ça, bah, finalement il est tombé. Ouais. Je pense qu'il y a eu ça. Il était parti sur le 2-2, il s'est dit non, le pont. Au dernier moment, ouais. Il a raison. Mais disons que s'il perd son T-70 là, c'est con quoi. Et il a un jeu agressif mais pas suicidaire. Section, repliez-vous. Ah, surtout que là ils sont en position. Ah, c'est bah eux là, qui maîtrisent la situation donc ce serait bête de perdre la personnalité quoi. Un canon pack attend nos ordres. Ça servait à quoi l'avion qui est passé? C'était pour juste donner la vue? Ouais. Non, c'était la fumigène de Goumatou. Ouais, mais je sais pas à quoi il servait la fumigène. Il avait pas dû monter. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Kim qui a fait un petit repop à côté de sa position de mortier. On est prêt pour cible. On a récupéré toute notre force. J'ai d'archi. Elle est sauvée. Avantage de puissance de tir disponible pour les unités. Bon là je pense que l'axe ils peuvent laisser tomber la position de mortier de Scream, elle va être conservée. Ouais, là ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir la maintenir en tout cas. Ah ouais, là maintenant ça va être dur. On les a
là là, il y a deux MG, trois MG de Gagjul en bas là. Là, on a un vieux qui avait gros matou qui allait faire un Stuka. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment? Qu'est-ce qui va sortir? Toujours 2-2-2. Gromatou il est en difficulté là-haut hein, face à Panda. Il est pop 25 là, Gromatou, pop 30. Ils sont le Stuka. Ça va faire 11 minutes. Pourquoi il sort un Stuka pour essayer d'attaquer la position de Mortier justement? Ouais, je pense hein. Non, je sais pas s'il a vu que là il y avait une position aussi de renforcement derrière, mais je pense pas qu'il ait vu ça. Il fonce vers le bas avec son Stuka Gromatou. Il a vu qu'il y avait les MG de Gagjul côte à côte, là il veut faire un petit massacre. Il a raison. J'ai bien joué la grenade à travers la haie pour empêcher l'avancement de la troupe allemande. Il s'est ravisé, oui, moi je vous ai dit, il y a tout qui replie. Sur le centre, sur les anglais de Scream. Ouais. Non, sur la position de Mortier, à côté. Troupe disciplinaire en attente. Ah, comment ça, c'est bien, comme ça. Superbe tir de Gromatou là. 7 kills, hein. Comment il a eu la vue comme ça pour faire un tel massacre? Alors là. Après, je sais qu'il a forcément la vue sur le IEG. Quand il tire, il suffit qu'il fasse le tir. Après, tu sais, tu te vois un petit peu. Ouais, mais là, de là, bon, après, il y a vraiment un superbe tir. Hein. Il a dû voir peut-être la MG aussi, hein, qui peut tirer. Alors on a une position d'essence, deux positions d'essence côté allié, contre 0 pour les. Contre 0 pour l'axe. Donc ça fait quoi? Plus 35, plus 23, contre plus 23. Et ça fait un moment comme ça. Avec son AEC derrière dans le dos là, il cherche le Stuka de Gromatou. Ça met la pression ça. Effectivement, il y a Gromatou qui s'en va à l'autre côté de la map pour pas. Ah ouais, éviter l'AEC, pour pas y passer. Il évite toutes les troupes. Ah, il va le sauver. On va pas se prendre un peu Panzer Faust, mais bon. C'est dur de le sauver. Voilà. Ah, ça va, c'est bien. C'était tenté. Il était vigilant. Mais ça va, on va dire qu'il a fait le travail avant, donc il peut mourir avec honneur. Effectivement, sur ce match, il n'y a pas forcément besoin de garder ses unités jusqu'à la fin de la partie. Du moment qu'elle a fait son boulot. Au bout d'un moment, c'est pas trop grave si vous la perdez. C'est juste faut que ça soit équilibré entre ce qu'elle a coûté et ce qu'elle a rapporté, disons, en dégâts. Et la Wallonie qui vient de faire leur première cache. Tout à l'heure, ils avaient été très tôt, ils avaient fait deux caches à 7 minutes. Là, ils le font à 15 minutes, c'est déjà plus. On se fait attaquer ! On reçoit des tirs de suppression ! Pourquoi je sens plus mes jambes ? Repli ! Perdu une unité d'infanterie. Ils sont fait dégommer. De Gagjul en bas là. Ouais, c'est toutes les infanteries qui donnent la vue là. Ah ouais, 6 infanteries côte à côte. On se fait tirer dessus. Une MG, pourquoi faire Scream, hein. Par contre, il faudra qu'il fasse attention parce que là, s'il se prend le coup de. En tout cas, il a tiré, donc il s'en prendra pas, mais. Ça peut faire mal. Ou un Panzerwerfer, ça peut faire mal aussi. En tout cas, ça a fonctionné, il s'est replié, il va pouvoir prendre l'étoile.
Alors, on a quoi du coup sur une nouvelle unité? Côté Gaxul, on va avoir un SU-85 qui va sortir. Côté un pas de Scream. On nous a fait un petit Valentine. Les tactiques en crime sont perfectionnées. L'ennemi va prendre un vilain choc. 85 de panda qui arrive. Ouais, exactement. 85 de panda. Après, côté S, on a Achirien. Faites partie panda, hein. Il a conservé son sniper, il a 10 et le kill. Il mène la vie dure à Goumatou là-haut. Les éléments avancés indiquent qu'une unité pas de véhicule, pas de véhicule côté, côté axe. Hein. Donc là, ça a bien fonctionné leur, leur manœuvre pour leur priver de ressources. Allez, on tire de Stuka. Toujours au centre. 300 points. Il le replie. Unité de nouveau au complet. Ça a pas fait de dégâts là. Ouais. C'est passé à deux. Ben deux il avait pas sont vraiment passés la vue, entre les deux. C'est ça. Et le problème c'est quand t'as pas vraiment vraiment la vue, tu lances un peu au pif ton, ouais, ton tir de Stuka. C'est difficile de faire beaucoup de morts avec ça. Bon, les deux premiers chars alliés, c'est deux SU-85, les deux premiers gros chars. Il nous charge. On a des détecteurs de mines. Maintenant, on peut avancer tranquillement. C'est qu'il faut recharger. Pour Staline. Laissez-vous, comme de Brel. Il s'agit pas d'un Spitfire. Un T-34 côté Panda aussi. Transport universel qui est passé au milieu. On va avoir aussi côté bunker, on va avoir un Jagdpanzer. C'est que des chars anti-chars quoi en gros. Ouais. Je pense qu'ils ont pas les sous pour faire les plus gros chars. Pepo ça sortit un P4. Ouais mais bon il pourra pas faire grand chose face au SU-85 de Gexul. Une de nos structures avancées est attaquée. Ouais, après je pense que ça sera surtout ouais, contre l'infanterie pour essayer de limiter les dégâts. Ah mais il a du boulot hein, parce qu'en bas, il y a du monde. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Les DGM sont bien. Ouais. Bah là ils ont souvent, la souvent les 3 étoiles en plus avec Gexul qui pousse bien donc il arrive à reprendre l'étoile donc les points... Les points descendent vite, hein. Ils n'ont pas perdu beaucoup de points, les amis. Ouais, donc, mais là, ils sont en train de prendre la troisième étoile, et là, ça va tomber encore plus vite. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Bon, Goumatou l'a laissé tomber là-haut, il repique sur le centre. Et je suis censé faire quoi avec ces recrues? Bon, prenez votre matos et suivez-moi. Éclaireur, paré au combat. Derrière le bouclier, dans la terre! Contact! Projectile ennemi! Ouh, il y a Scream qui est en train de tirer sur le T4 au centre là de Goumatou. Ouais, je suis en train de montrer. Ouais, il risque de le casser. Hein. On se fait attaquer! Il y a une infanterie qui passe juste devant. Et Goumatou qui va faire un tir de Stuka. Scream qui a fait un petit Sexton. Comme tu dis du coup qui commence, qui a tiré bien sur le T4, il a pratiquement terminé. Hein. Ennemi éliminé. Alerte à blindé. Sortez du centre de la
compliqué déjà qu'ils ont du mal à sortir des chars, si en plus il lui dégomme son essence avec son T4. Gromatou risque pas de sortir des chars. Il est presque mort, il s'en sort bien Gromatou là. C'est Archie qui joue américain en bas en orange. Enfin, ça fait boss. Ouais. On se replie ! Archie, il se débrouille bien, il tient bien le contact. Hein. Unité de nouveau au complet. Projet HP. Mais, attends, sans véhicule, hein ? Parce que c'est vrai qu'il a toujours un 2-2-2. Qui donne la vue, la T. Donc Archie il a presque 400 de fuel, hein, il attend, je sais pas, il attend un énorme char. Un char à 400 fuel, ça existe pour Archie peut-être. Ouais. Je pense que ça va être le. Il attend le Tiger, non, je pense. Le Tiger. Je sais pas, un truc américain, une balèze. En route vers le Tiger, hein. Il ne manque pas beaucoup. 2, hein. 3 d'essence, et c'est bon, vers le Tiger. Merde, il nous tire dessus. Redoublez d'efforts, nous n'avons plus que 200 points. Il y a un énorme combat en bas, avec celui qui essaie de reprendre l'étoile. L'ennemi s'empare de notre territoire. Tigre d'Hachi qui arrive. Qui va bien aider la contre-gacu. Ouais, Gakjul qui est obligé de laisser tomber son attaque en bas. Grosse frappe de brocard là. Énorme frappe de brocard au niveau de Scream là, de son QG là. Juste à l'instant là, il a obligé Bron, je pense pas qu'il ait fait beaucoup de dégâts. Panda qui arrive avec son SU, son JSU 152. T'as combien de minutes? 24-15, 24-16, 24-17. Ah oui d'accord, c'est pour ça. Je vais... Tu peux m'attendre à 20 ou un petit peu après? Je suis à 23. Ouais, je veux bien que tu mettes pause s'il te plaît. Ouais. Je te dis 24. Pas, ça, je te dis quand je suis dans les environs, parce que j'avais du retard. Les troupes de choc, je voyais des choses avant moi. Je disais aussi. Je te dis quand j'arrive. Brocard qui a sauvé son Yag par mesure de justesse. Là-haut, il le replie. Préparez l'exécution. Surtout qu'il a quoi, ouais. Il y a du monde en face, hein. Il y a des gros chars là, les alliés ils sont vraiment bien. Ouais. SU, Firefly. Et puis bon, c'est parfait, hein. Pour soutenir l'ISU 152 qui est anti-infanterie, ils sont deux chars anti-chars là. Faut dire qu'ils ont aussi l'infanterie pour aller pour vraiment les bloquer. Ouais, un Clao ça va être dur. Au milieu ça va être dur parce qu'il y a Scream qui est en défensive là. Ah, il a perdu sa position de mortier, mais c'est peut-être surtout avec ce gros tir qu'on a vu tout à l'heure là.
Hector a lancé 200 de munitions pour faire une grosse attaque sur la double position de mortier anglaise de Scream. Amélioration finie. Si c'est pas. Ça va les éclairer, ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un point. Bah, si vous voulez prendre le centre et le conserver, ah bah c'est ça, c'était déjà deux étoiles. Hein. Ah bah tiens, il y a Scream qui refait exactement au même endroit à sa position de mortier. Ah bah, ce putain, ça a tellement bien fonctionné que là. Donc si tu veux prendre le centre alors qu'il y a une position de mortier derrière, tu joues le jeu de désarmer quoi. La position de mortier elle va monter 2 étoiles, 3 étoiles, ça va faire 80 kills. Faut la casser. Donc Izu. Izu des deux côtés du coup hein. C'est l'Exu aussi qui a fait Izu. Izu SU. Disons que les alliés ont beaucoup d'antichars quoi. Ouais, Gaxu il a pris les SU-152 avec le soutien du SU-85 et la même chose là-haut. Les Sorceleurs c'est des tanks, c'est vrai qu'ils sont pas mobiles, mais pour l'instant, tant qu'ils ont l'infanterie pour pouvoir les défendre, ça peut fonctionner. C'est pas eux qui ont choisi la carte, hein. c'est vraiment la Wallonie avec l'Axe qui a choisi la carte. Ils ont bien choisi leur char finalement par rapport à une carte comme ça de plaine. L'Axe ils sont en train de prendre cher là au niveau des chars, ils ont pas de répondeur. Hein. Ouais, ils sont en train de perdre les étoiles. Je vois qu'ils étaient pas bien au niveau du score. Ouais, avec 3 étoiles, les 100 points vont commencer après à. Et puis bon sang, quand t'as en haut et en bas, il y a à chaque fois un SU-85 avec l'IS-2, enfin le JS-152. Ils ont la vue, ils ont de quoi éloigner en tout cas toute l'animalerie de l'Allemagne. Donc là, ça va être compliqué. Ouais, mais tu regardes les chars, c'est pas pareil. Hein. Pas énormément d'essence pour faire des nouveaux chars. Les Allemands ils sont acculés quand même. Ils ont raison, ils profitent de leur avantage, ils poussent. Ils maintiennent la position. Ouais. L'ennemi menace un point de capture. Les salauds. Qui a sorti le Yak Tiger. A voir si ça va permettre de débloquer un peu la situation, mais là ça commence à être tendu. Hein. Bah, c'est indispensable hein, parce que sur le front ils sont 1 contre 2 au niveau des chars. On a plus que 100 points. Par contre, ça va être compliqué parce que finalement je sens qu'ils vont se retrouver avec un très gros char, mais si c'est un très gros char avec peu de support, ça peut être dangereux. Piachi il a perdu son Tigre quand même en bas. Toujours pas de char du côté de Vanuatu. Il s'était fait détruire son T4. Le commandement mobile a été installé. Le poste stationnaire est maintenant. Leur fait Vanuatu à part ce cas sur pied là. 67 points qui sont. Là, il y a Brocard avec son Yak Tiger, il a du boulot. Hein. Ouais. Il a intérêt à faire du PTRS. Il y a du PTRS, pas mal de et chars, mais c'est pas des chars aussi mobiles. Bah, il y a Archie qui attaque un Panzer IV, le Pepos. Je
pas dit qu'il y arrive. Non. Ah, le dernier tir, il s'éloigne pour faire le dernier tir. Ça peut fonctionner s'il s'arrête. Non, c'est bon, il a réussi. Il va monter à 50 points. On a réussi à le sauver. Faut vite reprendre deux étoiles là. Voilà, ça. Ils en sont loin de prendre deux étoiles là. Ouais, ils en sont loin, sauf que là ils ont perdu pas mal d'infanterie aussi et ils sont en repli. Ah ouais, ouais. Il y a que deux chars qui sont pour pas tout seuls là. Ils ont maintenant vu qu'en plus il y avait le Yacht Tiger. Attention. Deux étoiles, ils sont près de aucune étoile en fait là. Sur l'étoile du bas et sur l'étoile du milieu, il y a trois défenses donc là. C'est ça, c'est ça. Là, le score va tomber. Et... il va dessus, mais là c'est l'attaque la désespérée. Là. Là, il va se mettre dans le fumier. Il va essayer de. Il va s'effectuer. Bon, et ben. Bah, ils ont bien joué, hein. Ils ont bien joué. Ouais, ouais, les DGM ont gagné de justesse. Les DGM, ils avaient 2 points. Avec 4, ça va faire 6. Et ils vont gagner. 6 à 5. Et c'est eux qui vont continuer le tournoi. Et les Wallonies. 5-6, ouais, c'est un peu dur. Ouais. Mais c'est vrai que là, ils ont. Pour le coup, ils ont bien maîtrisé cette partie. Hein. Ils ont été très offensifs. Bien, ils ont réussi à pousser assez fort, à maintenir les étoiles. Et c'est vrai qu'elles sont tombées assez rapidement, quoi. Ah ouais. Le match a duré 31 minutes, c'est pas bien long pour un 4v4. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelques sorties, là on voit à la fin de gros chars lourds allemands, mais là c'était effectivement déjà trop tard niveau point, quoi, niveau VP. Hein. Il n'y a pas eu tant de chars en plus, tant de chars que ça aussi côté Axe. L'Axe, ils ont choisi Axe certainement pour faire justement des beaux chars, et finalement sur le terrain, c'était les alliés qui avaient des beaux chars. Ouais, finalement c'est une bonne stratégie, mais quand t'as le carbu pour pouvoir les sortir assez tôt, quoi. C'est ça. Donc, les lacs, s'ils n'ont pas de capu pour sortir les gros chars, ben, ils sont pas super bien. Ouais, bah écoutez, une bonne partie. Ce qui va prévoir des beaux matchs aussi pour la suite du tournoi. Alors, à noter que le tournoi est assez étrange parce que du coup, les DGM gagnent avec 6 points alors qu'ils ont gagné 2 matchs. Et les Wallonies, ils perdent avec 5 points alors qu'ils ont gagné 3 matchs. Simplement, ils ont gagné des matchs qui valaient pas énormément de points. Ils ont gagné 1, 1 et 3 points. Exactement. Il y a alors que DGM, ils ont gagné 2 et 4. Ils ont un point de plus. Mais bon, dans un sens, c'est bien que le 4v4 décisif il soit à la fin. Comme ça, ça laisse le suspense jusqu'au bout, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça que aussi, notamment, Lucio et les Inch, qui sont du coup les organisateurs de ce tournoi, voulaient qu'on joue bien les parties dans l'ordre. Dans l'ordre, on comprend mieux pourquoi dans l'ordre, bien sûr. Parce que forcément, ça peut changer. Au niveau de l'intérêt des parties. C'est ça, ils ont pris expérience des différents tournois passés, quoi. Alors, j'arrive sur les statistiques. Alors, on a Panda et Scream qui ont des très jolies statistiques, un très bon ratio. Deux fois plus de tués que de perdus. Ouais, voilà, c'est... ouais. Alors Scream, ça peut se comprendre parce qu'il a fait des priests et des positions de mortier. Panda, il a fait un super boulot. Pas beaucoup de dégâts, mais alors, sacré travail là-haut. Puis en face de lui, il y avait Gros Matou. Il avait fait un sniper aussi, je crois, pendant un an. Ouais, il l'a monté à 25 kills. Il l'a monté, kills. Je crois. Ah oui. On va voir ça. Comme du match, Panda. Et oui, le Panda tient toujours. Alors, il a fait un sniper. Ouais, et puis, c'est regardez, 31 minutes et Gros Matou, il a juste fait un Shtuka. Alors, effectivement, c'est dur. Hein. Sur 31 minutes, sur le terrain, s'il n'y a que un Shtuka, soutien. Sur c'est dur de lutter contre Panda, quoi. Ça l'a embêté de perdre son T4. Ouais, on voit au niveau des points là aussi. Des ressources. Ils sont quand même bien au-dessus. Ben écoute, très bien.
Belle partie à caster. Du coup, bravo aux DGM qui Bah, vont les DGM qui passer passent le au juge deuxième tour du TS. tournoi. Ouais. Grâce à cette victoire en 4v4. Alors qu'ils n'avaient pas choisi. C'est pas eux qui avaient choisi la faction. Ils sont retrouvés alliés. Ils n'ont pas choisi la carte. Ils ont su se concentrer à jouer leur meilleur niveau. Et puis plie la partie avec les étoiles, hein, 31 minutes. Ouais, on Une fait ce qu'il belle faut. victoire. Ah ouais, ils ont bien gagné. Bah écoute, parfait. On va finir ce cast ici. Je vous remercie. Merci à tous. Et puis, on va se retrouver de toute façon pour le deuxième tour, pour tes parties du deuxième tour. Parfait. Allez, sur ce, ciao. Merci, Bado. Ah, ciao. Voilà, parfait. Là, c'est juste comme ça. J'ai laissé le son, hein, tout ça, mais.